Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment faire pour obtenir ce dégradé d'image de manière à pouvoir cacher un élément. Par exemple ici c'est le décolleté de cette jeune dame qu'on aimerait cacher. Alors ce que je vais faire c'est que je vais repartir sans le cache et te montrer tout à partir de zéro. Alors imaginons que tu as une image comme ça, tu as une image qui est dans sa taille d'origine, voilà, comme ça. Et ben la première étape, ça va être de sélectionner l'image et de la découper pour faire correspondre à ce que tu veux cacher tout en bas. Alors ici dans la découpe, par exemple si on veut cacher le décolleté, il faut venir prendre la manette qu'il y a là et la mettre exactement sur le décolleté, parce que ça va être cette ligne-là qu'on va vouloir supprimer. Ensuite, il faut faire appliquer la découpe. La deuxième étape, ça va être de venir mettre un rectangle par-dessus qui va cacher le bas. Donc ça c'est un rectangle, il n'y a pas de rectangle blanc, donc là c'est un rectangle noir. Et il faut mettre un rectangle qui est de la même couleur que le fond de l'image. Ensuite, une fois qu'on a mis en place ce rectangle, il faut définir son dégradé. Pour ça, il y a ce bouton qui est au-dessus, à droite de la couleur, qui va te permettre de choisir les options du dégradé. Là, il faut faire activer. Et si tu veux faire un dégradé transparent, il faut choisir transparent. Alors, il faut que je remette mon image en blanc, la couleur principale en blanc, pour que ça fonctionne. Voilà. Et là, ce qui est important, c'est de bien faire correspondre le bas du rectangle avec le bas de l'image. Ça qui va permettre de créer cet effet parfait de dégradé sur l'image. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te souhaite une bonne journée. Salut!